Salam alaikum mes chers élèves. Aujourd'hui, on va voir la fonction réciproque d'une fonction. Alors, la condition pour qu'une fonction admette une fonction réciproque, c'est que cette fonction soit continue et soit monotone. Dans l'exemple suivant, on va voir pour la fonction f de x égale racine carrée de 2x moins 1. F de x égale racine carrée 2x moins 1. Déterminons d'abord le domaine de définition de la fonction f. D de f est égal à l'ensemble du nombre x appartenant à R, tel que la racine carrée est définie si le nombre qui est à l'intérieur du radical est strictement est supérieur ou égal à 0. Donc 2x moins 1 est supérieur ou égal à 0. Ce qui veut dire l'intégrale x appartenant à R, tel que x supérieur ou égal à 1 sur 2, qui est égal à l'intervalle fermé 1 sur 2 plus l'infini, qui est égal à i. Parce qu'on avait dit ici égal à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, f est défini sur l'intervalle i. La première condition, la continuité. On a 2x moins 1 est continu sur R. Et surtout sur l'intervalle 1 sur 2 plus l'infini, i. Racine carrée de x est continue sur r plus. On a ici la composée de deux fonctions continues. Donc, f est continu sur son domaine de définition sur l'intervalle i. Donc, la première condition est vérifiée. On va voir la deuxième condition. Calculons f' de x pour montrer la monotonie de la fonction f. F' de x est égal à la dérivée de racine carrée de 2x moins 1, qui est égal à la dérivée de 2x moins 1 sur 2 fois la racine carrée de 2x moins 1, qui est égal à la dérivée de 2x, c'est 2, la dérivée de moins 1, c'est 0, donc c'est 2 sur 2 fois la racine carrée de 2x moins 1. On simplifie par 2 et on obtient 1 sur racine carrée de 2x moins 1. Alors, on a la racine carrée de 2x moins 1 est positif. F' de x est supérieur à 0 sur l'intervalle 1 sur 2 plus l'infini. 1 sur 2 ouvert. Donc, f est croissante. Sur i. Bien. On a montré que f est continu. F est strictement croissante. Donc, f admet une fonction réciproque f moins 1. Sur l'intervalle J qu'on va essayer de déterminer. J est égal à f de i, qui est égal à f de l'intervalle 1 sur 2 plus l'infini, qui est égal à f de 1 sur 2, l'intervalle fermé f de 1 sur 2, limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de f de x
c'est 1 moins 1, 0. Racine carrée de 0, c'est 0, donc c'est 0. La limite en plus 1 fait f de x. 2 fois x moins 1 en plus 1 fait x plus infini. Racine carrée de plus 1 fait x plus infini. Donc l'intervalle j est égal à 0 plus l'infini. Donc la fonction réciproque f moins 1 est définie sur l'intervalle j égale 0 plus l'infini. Maintenant, la deuxième question. On va essayer de déterminer f moins 1 de x pour tout x de j. Bien, on a l'équivalence suivante. F de y égale x avec y appartient à l'intervalle i est équivalent à f moins 1 de x égale y avec x appartient à j. Ce qu'on cherche maintenant, c'est de calculer y. F de y égale x avec y appartient à i équivalent à f de y, c'est racine carrée de 2y moins 1 est égal à x équivalent à, je lève au carré, racine carrée de 2y moins 1 le tout au carré est égal à x au carré, ce qui équivalent à 2y moins 1 est égal à x au carré, équivalent à 2y est égal à x au carré plus 1, équivalent à y est égal à x au carré plus 1 sur 2. Donc, pour tout x appartenant à j, on a x au carré plus 1 sur 2. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.